ultra ou super. Et oui, enfin, on a un opening japonais. Au revoir, les vieux, les vieilles cinématiques de début d'intro avec les voix américaines parce qu'on est des putains de français. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Ultra ou Super. Et oui, le jeu, dont il est dit sur le derrière de la boîte, le meilleur Storm, le Storm le plus parfait, le Storm parfait est sorti. Et ils ont peut-être raison, car j'ai assez joué au jeu pour dire que c'est un Storm très équilibré, enfin des personnes équilibrées. Car oui, les autres jeux n'étaient pas équilibrés. On est bien d'accord que le Révolution et le Génération n'existent pas. Ce ne sont que des bêta, il se passe quoi, d'accord, ok. Ce ne sont que des putains de bêta. On est bien d'accord, hein. N'achetez, si vous voulez acheter des Naruto, achetez Storm 2, Storm 3 et le Storm 4. Le Storm Génération est une bêta pour le 3 et le Storm Revolution est une bêta pour le 4. Bah, ça c'est clair, c'est tellement mal organisé, c'est tellement pas bien réfléchi et c'est tellement pas équilibré que je... Ouais. Donc, une présentation complète, surtout du gameplay qui est donné pour ce Naruto Storm 4 qui est un bijou. Qui vraiment me joue. Donc déjà, on va clarifier le truc, hein. Je suis un papa sur le jeu, voilà, donc... J'étais 5ème mondial hier, donc le 3 février, parce que j'ai joué un peu avant, grâce à vous, parce que oui, j'ai dit que j'étais un peu... Waouh, ça va, je suis youtubeur, ça va. Waouh, bah si tu veux, on a le jeu avant, on n'a pas le droit de le donner, mais si tu veux faire une vidéo dessus, vas-y, fais-toi plaisir. Ah bah c'est sympa, donc grâce à vous, j'ai eu mon jeu un jour en avance. Donc, j'étais 5ème mondial hier, et puis le problème, c'est que... c'est que je suis allé bosser, hein, normalement, comme d'hab, aujourd'hui, hein, donc le 4 février, et le truc qui s'est passé, c'est qu'il y en a qui ont joué toute la journée et je me suis retrouvé 300ème mondial. Donc pour dire que je suis un papa sur le jeu, voilà. 22 matchs faits, 18 gagnés, 4 de perdus en gros et 81% de victoire. Par contre je ne joue ni Tashi ni Pain, je joue Conan. Mais bon après je pense que soit c'est craqué ou soit ils font exprès de pas mettre tes top personnages ou ils te donnent approximativement ce que tu joues. Voilà, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses à présenter pour ce Naruto. Déjà, On va commencer par des trucs qui ne servent à rien, mais qui sont super marrants. C'est tout ce qui est collection et objets achetés. Alors dans les objets et collections que vous aurez acheté, bon, ou à gagner surtout, hein, et ben vous avez un truc qui s'appelle les Brave. Alors qu'est-ce que c'est les Brave? Et ben les Brave, c'est simple. C'est, ce que dit la perso dans le jeu, sauf que maintenant, je crois que c'est quand tu gagnes, parce que je viens de l'acheter en fait. Et quand on me fait écouter la Brave, donc moi j'ai acheté pour ma perso Conan, voilà. Qui était moral? Qui était moral? Shinigami no Mai! Oui, c'est l'ulti. Ah, tu dis que ça. Voilà. Qui était moral? Nani mo dekizu. Nani mo nasezu. Nani mo wakaranu mama. On est bien d'accord que ça, la classe. Hein. Voilà, c'est... J'en ai une troisième. Qui était moral? Non, pas celle-ci. Bon, voilà. J'en avais une troisième. Mais j'en ai une troisième, mais bon, elle s'active un peu aléatoirement. Là, c'est des punchlines que vous pouvez lancer maintenant quand vous gagnez, en fait. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle des Brave Age. Je crois que c'est ça. Normalement, ça doit être ça. De toute façon, on va tester ça.
Beaucoup de choses ont été apportées à ce Naruto. Énormément de choses niveau gameplay. Mais avant de commencer par le gameplay, on va plutôt se concentrer d'abord sur l'aspect du jeu, sur les différentes... quand on est sur Ultra ou Super, hein, et sur les différentes... sur différents modes. Donc il y a le mode histoire aventure à différencier. Mode aventure, en fait, je n'ai jamais joué à ce mode aventure parce que mais je m'en doute de ce que c'est à tous les coups, hein. Attention, je m'avance dessus, j'ai jamais été dessus parce que j'ai complètement la flemme. À tous les coups, c'est comme dans les Storm 2 et dans le Storm 3, c'est de l'histoire où tu te balades à pied, voilà, un Naruto que vous voyez en 2D courir sur du fond 3D par vue de dessus trois quarts à peu près. Voilà, c'est un peu bon, ils refont jamais comme dans Storm 1 et Naruto Ultimate Ninja 3 parce que c'est des bâtards, ils veulent pas nous remettre ça en 3D, mais en gros, dans ce mode-là, comme il est dit, vous pouvez partir à l'aventure dans le mode, dans le monde de Naruto où l'histoire a été avancée. Donc par exemple, là, j'ai pas fait toute l'histoire, je suis en pleine guerre ninja. Et je suis arrivé là. Donc si je vais en aventure, on va me dire, ah, c'est la guerre et tout, voilà. Ça dépend d'où vous êtes. Attention du spoil, du spoil, du spoil, du spoil. On fait attention au spoil. Fermez vos petits yeux. Du spoil. Voilà, donc moi je suis rendu là dans l'histoire. Donc si je vais en aventure, je serai dans ces phases-là, on me dira ah, oh, mon dieu, Madara, nanana, va le voir et va le buter. Voilà, ça va être ça. Ça c'est l'histoire. Donc attention, on commence pas au début des Shippuden, hein. Ça je vous le dis direct, hein. Si vous voulez commencer à jouer dès le début de Shippuden, genre épisode 1 Shippuden en jeu vidéo, prenez Naruto Storm 2 et après le 3 et après le 4. Voilà. Là on est en plein guerre ninja, donc la suite du Storm 3, le Storm 3 qui a eu une fausse fin parce que le manga était pas fini. Maintenant le manga est fini, je n'ai pas vu la fin, mais à tout coup je vais me faire spoiler par le jeu parce que je joue tous les persos, mais c'est pas grave, faut bien se faire spoiler à un moment. Parce que oui, je suis ça en animé et ça depuis 15 ans je crois. Et depuis 15 ans je suis ça en animé et du coup je vais être un peu baisé parce que bah oui c'est la fin et le jeu te le fait clairement dire. Donc à part s'ils inventent une fausse fin, ce qui serait pas mal mais bâtard pour tous ceux qui ont vu le manga, ou à part s'ils trouvent un compromis, s'ils font genre ce serait trop beau, mais s'ils font genre bon bah écoute on sait que t'as pas fini l'histoire, alors est-ce que tu veux la voir la fin ou tu veux pas la voir. Donc voilà, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être vraiment sympa à faire. Voilà, les histoires, par contre le seul truc pas sympa du tout, vraiment le truc complètement con, c'est que c'est des images d'animé, de l'animé qu'on voit, hein, mais en figé. C'est-à-dire que c'est des images qui défilent un peu. C'est pas animé, c'est plus coupé. On dirait que c'est un peu animé, mais c'est pas d'animation. Je sais que c'est dur d'avoir les droits, et c'est surtout très cher d'avoir les droits sur un animé et les mettre dans les jeux. Mais c'est vrai qu'on a vu un million de fois ces épisodes. Voilà, ça, on l'avait un million de fois. Masked Man, où je dis pas son nom au cas où pour ceux qui savent pas c'est qui, contre Minato qui se battent, on a vu des millions de fois ça. Mais qu'est-ce qu'on voudrait le revoir dans un jeu? Dans le jeu, ce serait vraiment bien. Bah ils l'ont pas mis. Et bon après, c'est pas grave, le jeu est vraiment bien équilibré et vous avez beaucoup à faire. Dans l'histoire, peut-être pas énormément, mais dans ça, vous avez déjà beaucoup à faire. Et c'est ce qui importe. Donc, on va juste, voilà, retour. On va faire un petit retour. Et maintenant, oui, je sais, je vais vous présenter les nouveaux persos et le gameplay qui est juste par fucking fait. Il est parfait. Le gameplay est vraiment parfait. Là, je suis vraiment content parce que je vous avais dit, bon, le prochain Ultra ou Super, je vais vous montrer un jeu pourri. Je vous avais pas dit c'est lequel. C'est Naruto Revolution que je vais vous montrer parce qu'en termes d'équilibrage, en termes de gameplay, c'est de la chasse. Mais vraiment, c'est vraiment de la chasse. Donc, on va aller en entraînement pour vous montrer tout ça. Voilà, entraînement libre. Il y a aucun problème. Alors, je stresse un peu parce que mon player, donc mon Elgato a bugué un moment. Carrément, l'écran a figé. Mon PC, c'est plutôt un peu un problème. Donc, mon PC, il a figé d'un coup. Ça, ça va pas le refaire. Donc, déjà, pour vous montrer le gameplay, je vais faire ça avec une perso que j'aime bien. Voilà, la perso que je main depuis Storm 2. Hein. Rappelez-vous, hein, la Johan Sina, hein, s'il y en a qui s'en rappellent, ma première chaîne YouTube. Je jouais à Storm 2 avec Conan, Pain et Itachi. Voilà, j'ai pas changé. Hein. Maintenant, je prends juste Kushina, mais voilà. Donc, on va faire ça contre la nouvelle perso. Non, on va faire ça contre ma perso que j'aime bien. Voilà, voilà. Ça, c'est mon coup de deuxième perso. Sauf que je mets pas ces supports là parce que c'est trop faible en combat. Une belle map. On va tester une nouvelle map. Oh, la vallée de la fin passée, pas mal. La vallée de la fin, un combat final. Putain, ouais, bah si, on aura la fin du manga en fait. J'ai pas fait cette map encore, hein, donc... Ma préférée, c'est celle-là. Elle est grande, il y a des arbres, voilà. C'est bien pour temporiser le jeu et tout. Je voudrais vous montrer une que j'ai faite en... Une que j'ai faite il y a pas si longtemps que ça. Une que j'ai faite en fait en match. Ah, je crois que c'est celle-ci. Non plus. Bah alors, elle où est-elle? Je sais pas.
Ah, voilà, là, Manoir du Hokage. Voilà, j'aime beaucoup cette map. Je sais pas pourquoi, je trouve assez classe. De sa simplicité, je la trouve classe. Donc, d'abord, je vais vous montrer les gros défauts qu'avaient eu les autres jeux. Donc, le son est beaucoup trop fort dans mon casque. Hop, je suis désolé. Vous m'envoyez désolé. Donc, le gros souci de l'autre Naruto, de Naruto Revolution, déjà, c'était ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, ça, c'est de la merde. Bah, ça, je vous le dis direct, c'est de la merde en Révolution. Maintenant, c'est très bien. Pourquoi est-ce aussi nul? Parce qu'en fait, ça, par exemple, quelqu'un vous rush dessus ou commence à vous taper, vous faites ça. Et là, directement, mais vraiment directement, vous prenez un stun. Mais un stun, pas un stun d'une seconde. Un stun de 5 voire 6 secondes, vous pouvez rien faire. Donc le gars peut mettre une ulti, peut mettre 2-3 combos d'un coup, peut mettre des angry cancel, peut n'importe quoi, peut vous faire passer de 100% de barre à 0. C'est pas une blague, hein. Vous pouvez vraiment faire ça si vous connaissez bien le jeu. À 0 peut-être pas, à part si vous connaissez bien le jeu, le perso et tout. Vous pouvez vraiment faire très 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 mal et c'est horrible. En fait non, on va peut-être pas aller... Hop, on va plutôt, je vais plutôt vous montrer comment ça se passe au niveau des coups et niveau... mais sur un combat libre. Parce que c'est vrai que l'entraînement c'est pas mal, mais je voudrais plutôt vous montrer ça sur un combat libre. Où la personnage en IA bouge, quoi. Parce que ça va être mieux pour vous expliquer, sinon ça va être un peu lent. Sur la vidéo, je suis désolé, voilà versus. On va reprendre les mêmes persos. Hop. Bon, je sais que vous en avez rien à foutre de Kushina, par contre je prends Conan. Je sais, tout le monde dit, ah là, mais j'ai battu le développeur de Naruto du jeu à Japan Expo avec Kushina. Donc vous voyez, c'est une perso que j'aime beaucoup. Donc on va vous montrer Rei, voilà. La nouvelle perso que j'ai pas encore joué, mais j'ai joué qu'en histoire pour l'instant. Donc j'appelle pas ça vraiment jouer. On va se remettre sur un point où on était, voilà. Ce que j'avais expliqué, c'est que ce qu'on appelle le RTX, donc le contre-attaque, était quelque chose d'horrible. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est le contre-attaque. Maintenant, ça éjecte, c'est tout, ça ne stun pas. C'est pour temporiser le jeu. Alors, si elle fonce, je le fais. Vas-y, fonce. Fonce. Non, ça c'est une... Elle fonce. Voilà. Là, pouf, ça éjecte, c'est tout. Et ça ne fait pratiquement aucun dégât. Ça, c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Là, il y a du match-up. Là, il y a du match. Voilà, là, je suis vraiment content. C'est quelque chose d'horrible. Les substitutions toujours avec LT, voilà, hein, je me substitue derrière. Par contre, une chose qui a changé, voilà, vous avez vu que le personnage a changé. Moi aussi, je peux faire ça et boum, j'arrive derrière. Boum, vous, j'enchaîne. Ça, c'est quelque chose de super à faire. J'ai tellement pas enchaîné parce que j'aime pas ça. C'est vrai que c'est vraiment bien. Vous enchaînez les persos, maintenant, vous pouvez enchaîner vos supports, tout simplement, en combat. Voilà. Ah non, bah, comme je l'avais vu, je vais vous le remontrer vite fait. En tapant, j'ai dit en tapant, me fuis pas Kakashi, ne fuis pas j'ai dit. Tu respectes un peu. Hop, voilà, et boum, j'arrive derrière et je refais le combo. C'est vraiment quelque chose de bien qui a été mis. Peu de gens pour l'instant jouent comme ça, c'est normal parce que le jeu vient de sortir. Donc le temps que tout le monde ait les bases et tout, faut vraiment attendre. Mais ça c'est quelque chose d'assez nouveau. Après, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé, à part les buffs de Conan. Des persos ont été buffs, et ça... Alors, ça, mes amis, c'est du buff. Ça va très vite, maintenant. C'est aussi rapide qu'un Katon. Je sais vous faire un Katon en même temps. Hop, s'il me laisse faire... Ah... Tu fais quoi, là? Voilà, c'est pratiquement... Bon, là, j'ai lancé, je peux lancer en même temps, mais... Ça a carrément... Ça a failli rattraper le Katon, quoi. Bon, même si c'est un des deux que j'ai mal timé. Maintenant, c'est aussi rapide que beaucoup d'autres jutsu, parce que Conan était vraiment une personnage très bien pour les joueurs comme moi qui adorent cette perso, et pour les gens aussi qui aiment bien les persos un peu plus lents. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime... C'est quelque chose qui a vraiment été bien. Maintenant, les ultras spéciales se font avec n'importe quel perso le temps que vous l'avez dans votre équipe. Ça il va pas en prendre, d'accord. Tant que vous l'avez dans votre équipe, ça se fait. Donc, par exemple, on va montrer. Voilà. S'il meurt. Voilà, ça, voilà, juste ça. Avant, c'était une ulti qu'on pouvait avoir que si vous jouez que Conan et Pain. Mais le temps que deux persos, par exemple Conan et Pain, sont là, même s'il est taché là, ça fait quand même l'ultra. En TS3, que en TS3, attention, ça fait quand même l'ultra de Conan et Pain spécial. Pas comme, par exemple, là, si je mets l'ulti seul, juste comme ça, ça va être l'ulti à Conan, ça va être celle-ci. Bon, si ça prend, il ça prend pas, dommage. Mais donc, vous avez vu, c'est celle qu'on a. Nouveauté, on a The Round, et oui. Alors, on a The Round, et pourquoi c'est bien d'avoir The Round, déjà, ça permet, alors, je vais juste faire un start pour expliquer, déjà, ça permet
de pas se faire avoir par, je sais pas, genre t'as pris une ulti aléatoire, t'as pas fait attention, bon voilà, c'est un peu chiant, le mec a joué comme une touze et toi tu étais super fort, mais le truc c'est qu'il joue n'importe comment, donc bah il t'a eu. Voilà, et ça c'est le moment de te dire, bon, allez, c'est pas grave, j'ai un deuxième round. Par contre, comme vous le voyez, j'ai toujours moi ma vie de mon premier round. C'est-à-dire que le temps que vous gagnez avec votre round, tout va bien. En gros, là, si Kakashi vient me tuer, je suis mort, un autre round se passe, donc un round chacun. Et là, on a deux vies. Voilà. Faites comme si on avait deux vies. Alors, par contre, vous pouvez faire des deux rounds à zéro, hein. Ça se fait beaucoup. Hein. Vous allez voir que ça va se faire quand même assez... Surtout qu'il y a beaucoup de débutants sur le jeu. Comme le jeu vient de sortir, il y a eu beaucoup de... En fait, il y a eu beaucoup de confirmés et de pro... Bah, pas pro, mais... Ça fait 6 ans que je joue au jeu, donc voilà, quand même, je suis un peu un papa sur le jeu. Il y a eu beaucoup de papas sur le jeu qui étaient là hier et qui ont fait... On a fait des matchs de fou et j'ai perdu que deux fois, quoi, contre le premier mondial. Donc voilà, quelque chose de bien d'avoir deux rounds pour attraper. Par contre, un truc à faire, c'est tout vider. Alors moi, je vous conseille de le mettre très mal, parce que plus vous le mettez mal, parce qu'il va vous tuer peut-être, hein. Mais si vous tue, c'est bien, franchement, écoutez, vous tue, mais mettez-lui le maximum de pression, faites-lui descendre sa barre de vie au maximum, pour que pour le deuxième round, vous ayez encore plus de vie que lui. Je vais vous montrer un exemple, hein, on va un peu l'amocher. Il va, je vais me laisser me faire amocher un moment, ne vous inquiétez pas. On va mettre ça, non, on va pas mettre ça, d'accord. Ah, vas-y, amoche-moi. Ouais, bah, s'il m'amoche autant, par contre... Ça n'a pas marché. Tiens. Voilà, les ronds va sur... Je vais vous expliquer après pour les autres persos comment ça se passe. Je vous explique surtout le gameplay qui a été changé. Allez, vas-y, bute-moi, c'est pas possible. Voilà, quand même un peu là. Bute-moi. Allez, bute-moi là. Par contre, les kunai ne peuvent plus tuer. Les kunai font toujours des dégâts mais ne peuvent plus tuer. Vous êtes là, lui il me balance un kunai, ça fait rien. J'aimerais bien qu'il m'en balance un pour voir. Il me balance pas de kunai. Balance-moi un kunai. Bon, pas grave, le canal va me finir. Regardez, il a boum. Il a toujours sa vie de son deuxième round parce que lui est déjà dans le deuxième round, mais moi je viens d'entrer, donc j'ai toute ma vie. Et maintenant on va jouer. Et là, mettez un... Là il est mal là. Là faut jouer tranquille. Faut se dire que... Faut pas se dire que c'est gagné, attention, hein, ça veut rien dire du tout. Vous pouvez très bien perdre comme ça, ça m'est déjà arrivé une fois. Mais dites-vous que là vous avez de l'avance, vous pouvez faire quelques erreurs, c'est pas la fin du monde. Et que lui, il pourra pas faire plus d'erreurs que une, voire zéro, parce que sinon il prend très cher. Voilà, ça c'est une erreur. Voilà. Ça c'est juste l'ulti de Conan parce que c'est pas en TS3. Avec l'image de fin, parce que voilà, ça veut dire qu'on le finish avec l'ulti. Donc ça c'est juste le gameplay, pardon. Alors c'est toujours du monobouton, hein, toujours du BBBBB à base de BBB pour taper, YB pour un jutsu, et YYB pour une ulti, YYYB pour une ultra pour une ultra TS3. Les kunai avec X et A, le saut, voilà. La protection avec RT, la substitution avec LT, ça n'a pas changé d'un pouce. Après c'est vrai que j'explique peut-être à des néophytes, mais c'est un jeu très simple, pas simple, attention je dis ça, mais c'est un jeu très bien pour commencer. Un très bon jeu, c'est pour commencer. Je vous conseille plutôt ça que Street Fighter. Pourquoi? Parce que vous allez voir les frames. Vous allez voir. Quand vous avez passé sur Street Fighter, vous avez vraiment galéré. Moi quand je suis passé sur Street Fighter, j'ai vraiment galéré. C'est pas pareil, on n'a pas les mêmes skills. Hein. C'est vraiment déjà un jeu de fan Naruto. Donc, voilà, juste de base. Donc il y a plein de gens qui sont pas que jeux de combat. Moi je le suis depuis Guilty Gear. Donc c'est pour ça que je suis vite devenu quand même assez fort au jeu, surtout à Storm 2 quand j'étais plus jeune. Mais voilà. Donc, commencer par un Naruto, c'est très bien, surtout si vous êtes fan en fait, ça va vous motiver à jouer à un jeu de combat, même si vous faites battre, moi je faisais battre des millions de fois, c'est pas grave, j'avais Conan, Pain et tout, moi j'étais content, genre bah je vais jouer avec mes persos, même si je perds, et au fur et à mesure je gagnais, je prenais du niveau, je gagnais, et c'est comme ça, il faut vous trouver un jeu, et si votre jeu c'est pas Street Fighter, et bah ce sera sûrement Naruto ou peut-être un autre, mais l'impact manga du titre a beaucoup d'impact sur vous, donc voilà, alors... Pour les nouveaux persos, alors je vais vous présenter les nouveaux persos. Alors j'ai pas tout débloqué, il y a les persos de Boruto. Je n'ai pas encore vu Boruto parce que j'ai pas fini Naruto, ce qui est normal. Mais je connais quand même quelques petits trucs. Donc les persos de Boruto sont là. Et Lin est enfin là. Ah putain, Lin. Oh, je ne vais rien dire sur l'histoire, sur le background de l'histoire pour un perso parce que je ne sais pas si vous avez regardé Naruto, où vous en êtes, ou voilà. Si jamais vous n'avez pas regardé Naruto, commencez. Pas pareil Shippuden, pareil Naruto, faites-vous toute la série. Moi j'ai tout fait, moi en fait j'ai commencé à 7 ans en streaming et j'ai plus rien lâché. voilà, alors les nouveaux persos c'est surtout Lin. Parce que Lin est, bon je sais pas si elle est trop puissante, on va un peu tester, j'ai pas encore testé Lin. Hein. Là je suis vraiment, j'étais vraiment sur mes persos à moi pour gagner un maximum de matchs. Vous inquiétez pas, on fera du live après, mais d'abord la présentation. Après il n'y a pas énormément de nouveaux persos, bon à part les...
À part bah, les dieux de mon cul, là, les trucs qu'on voit dans l'anime, bah, les Obito Uchiwa, les Sennin et tout ce qui est là, bah, ça c'est les trois persos que j'ai pas débloqué parce que j'ai pas encore fini l'histoire, qui sont là. Et bien sûr, pratiquement tout le cast des Genin, bon pas tout non plus, mais une majorité du cast des Genin avec les habitants du... pas les habitants, mais ceux qui abritent en eux les démons à queue, hein, les joubis, voilà. Ah, j'ai les persos de Boruto. Je viens de garder les persos de Boruto. D'accord, ok. Donc voici le fils de Naruto et voici la fille de Sasuke. Voilà, alors je trouve ça très moche. Elle est moche, il est moche, il est encore plus moche et il est encore plus moche. Mais bon, c'est Boruto, que voulez-vous. Donc voilà, je ne sais rien de Boruto. Donc voilà, juste voir Sasuke avec un Sharingan et un Rinnegan. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Bref, on va vous présenter déjà un nouveau perso avec les nouveaux types de soutien. Alors avant, vous rappelez-vous, on était souvent en mode, bon bah, soit défensif, soit attaquant, soit équilibré. Donc attaquant, c'est un moment que vous attaquez quand votre barre de soutien est chargée au milieu. Vous pouvez toujours, le soutien arrivera et tapera, fera plus de dégâts, vous ferez plus de dégâts parce que le soutien mettra quelques coups au corps à corps quand vous en mettrez. Et le défensif, c'est quelqu'un que par exemple une ruée de chakra, c'est-à-dire que quand il vous tâche dessus, quand il vous frappe, surtout quand il arrive, hop boum, il bloque. Et là, vous avez le temps de faire quelque chose derrière. Et il y a l'équilibré. L'équilibré, c'est celui qui peut vous sauver des ultis. Des fois, genre quelqu'un, genre un adversaire met une ulti. Et boum, hop, ton soutien te pousse. Et c'est ton soutien qui prend l'ulti. Il n'est plus utilisable pendant un certain moment ou même pendant tout le match. Voilà, ça, c'était équilibré. Maintenant, on n'a plus ça. Maintenant, voilà, vous avez vu, on a le remplissage assisté. Alors, remplissage assisté, c'est quand vous remplissez plus vite votre chakra. Il vous aide. Il arrive, vous remplissez votre chakra, bouf, il arrive à côté et hop, il donne du chakra. Donc ça, c'est très bien. Donc, nous avons le remplissage assisté. Donc, par exemple, vous voyez, voilà. Vous avez la projection de charge. Alors, la protection de charge... C'est le défensif, ils l'ont juste renommé. C'est pareil, il prend les coups quand ils viennent de trop. Si le défense brise garde, en gros le défense brise garde c'est tout ce qui est stun et les brise garde, donc les chops. Il est là pour défendre, mais attention, il le prend pas à sa place, il se met juste devant, un moment, oh bah il est stun, boum, il se met devant. Vous faites juste le tour, vous l'attaquez, faut pas être con. La permutation technique secrète, en gros, ça je connais pas, ça. Tiens, bah ça je connais pas, voilà, ça par contre je connais pas, voilà, j'avais pas vu, donc je suis désolé, mais à tous les coups, il doit permuter de faire une technique secrète juste après, tout coup. Et le renvoi qui fait son grand retour, le renvoi c'est quoi? Bah par exemple, vous tapez, et il est, après un combo, le perso est dans les airs, le plus souvent, ou après un jutsu, et boum, il y a le soutien qui arrive, votre soutien qui arrive et qui met un coup derrière, qui le renvoie encore à vous, vous pouvez faire ce que vous voulez de son corps. Voilà. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Le type de couverture, je vois. Tir de couverture, je vois pas trop. Ah tiens, oui, c'est tir de couverture. C'est avant par exemple, quand vous avez un. Ah non, normalement ça c'est automatique, normalement avec tous les supports, maintenant ça l'est plus et c'est bien. Vous faites YX, donc les chakras, les chakras de... les kunai de chakras, et tous les soutiens attaquent en même temps. Mais maintenant on a un type de soutien fait pour ça, donc on peut vraiment se créer des trucs. Donc par exemple, là on va prendre quand même la team, hein, on va prendre la team, il y a pas moyen qu'on prenne pas la team. Donc voilà, et protection de charge, comme ça vous allez voir un peu. Et on va prendre, eh ben écoutez, il faut montrer les nouveaux persos. Donc on va montrer les nouveaux persos, hop. Voilà, juste ici. Bon, on va prendre... avec Boruto et... Ouais, voilà, comme ça. À tous les coups, ils ont un truc chacun. Je ne connais pas Boruto. Je ne connais pas Boruto. Ce qui paraît, c'est nul. Et juste, ça me donne pas envie de connaître Boruto, juste parce qu'on me dit que c'est nul. Je sais qu'il faut se forger son propre avis, mais quand t'as tous les gens qui ont adoré Naruto et qui disent « Putain, c'est de la merde !» Bah oui, bah, j'ai un peu peur. Ça, c'est un beau truc. C'est la dimension alternative où, bah, là, le kaleidoscope de Kakashi. Et ça, c'est cool, ça, par contre, d'avoir mis ça en map. J'ai jamais joué dessus, mais je sais qu'il est... Voilà, nouveau personnage, nouveau gameplay. On va essayer de voir ce que ça... Elle pense des rondas de bois, voilà, c'est... Waouh, Rasengan Kam, bon, d'accord, ok, Boruto est beaucoup plus fort que son père juste à son âge, tout va bien. Ah, les petits combats, alors, voyons voir ce que... Ah, c'est complètement... Ah, c'est trop mimi. Ok, c'est trop mimi, je pense que ça va être une de mes mains. C'est bon, je vais jouer Rin, voilà, je l'avoue. Ah, j'ai pas de honte, voilà, on peut redasher, boum. Alors, que fait... Bon, non, bon, ça n'a pas changé, ça, on les avait déjà dans Révolution, et je crois dans le 3 aussi, juste tester. Alors, l'ulti est très belle, j'ai vu un point que c'était l'ulti, et elle est très belle. J'ai vu ça dans des cinématiques, j'aurais bien... Voilà, je l'avais. Ah, carré de Sembi, bah oui.
c'est vrai, c'est... Je veux pas vous spoiler, mais... Vous êtes spoilé en une ultime, mais je veux pas vous expliquer le spoil. Et hop, ça la canne direct. Oh, c'est génial. Waouh, là, ils ont bossé. Ouais, ils te balancent le Rasengan. Non, Boruto, ils te balancent un Rasengan comme un Hadouken, quoi. Hadouken. Ah, mais c'est génial. C'est débile, aussi, mais... Je vais tester la shop. J'ai dit, je vais tester la shop. Pourtant, vous montrer les autres personnages, je vais vous faire découvrir quelques petits trucs. Ok, si tu veux. Il possède le Suiton à son âge. Ah, ça a changé, les ninjas, depuis... Laisse-moi te choper. Merde. Ah, c'est chopé. Oh, c'est mini. Ah, putain. Je crois que je vais jouer Rin. Ah, on peut changer. Hop. On va essayer de changer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ok. On va essayer de changer comme ils font, là. Faire ça, comme ça. Hop. Et j'arrive derrière. Ouais. Ah, j'avais pas vu qu'elle avait déjà pu. Ouh, je continue le combat sur sa galère en à foutre. Ok. Et là, par contre, tout est remis à zéro. Hein. Tout est remis à zéro. Donc voilà, vous voyez, soutien aussi sont remis à zéro. J'en ai bien testé à TS3, donc je vais essayer de me laisser taper pour voir aussi les coups que fait ça que fait Sarada. Ah, c'est bien joué, ça. Voilà, on a aussi les tenues endommagées. Les tenues endommagées, c'est des dots qui vous fait perdre un peu de vie quelquefois. Et c'est aussi pour faire classe. On peut avoir des dots genre ça. Ça, c'est un dot. Je vous avais pas expliqué, mais hop. Ah, merde, prends-le, s'il te plaît, par contre, prends la vidéo. Non. Ah, c'est marrant. Là, il a pris le parchemin de football, il l'a pas pris, mais c'est un autre code. On va laisser après les ultras. De toute façon, on va tester les nouveaux persos, c'est pour ça. Ah, vas-y, laisse-moi va charger. Il veut pas charger, il veut pas me charger. Oh, c'est bien joué. Ouais, bon, il veut pas me charger mes trucs, hein, c'est fou. Hein. Charge-moi, mais putain. Ouais, non, mais je peux charger avec mes... Je suis con, je peux charger avec mes... On va essayer de charger avec les supports. Ouais, très bien, ça va bien charger. J'aime bien le rondin de bois. Bon, c'est vrai que c'est un peu con parce que c'est un peu inutile, mais bah, c'est pas inutile, mais c'est un peu minimaliste comparé aux autres outils, mais... Ok. Allez, vas-y. J'ai pas encore. En tapant un coup. Je l'ai. Ah. Oh. Connasse. Faut qu'elle prenne. Ah, elle a pas pris. Allez, faut vraiment qu'elle prenne pour vous montrer. Voilà, elle a pris. Est-ce que il y a une ulti pour E3? Ce serait vraiment bien. Ouais, il y en a une. C'est sérieux. Oh, c'est trop mimi. Désolé, mais c'est mimi. Je vais... Laisse-moi voir ce que je veux. Voilà, mon éveil, qu'est-ce que c'est? D'accord, carrément, ok, c'est ça, d'accord, ok, ouais, bah, je m'en doutais, mais je pensais pas que ce serait ça. On peut rouler, ouais, là, elle m'a battu, donc déjà mon dieu. Et pour moi, d'accord, c'est pas mal, il y a vraiment des bons persos, hein. Franchement, il y a des bons petits trucs à faire. Après, on va juste essayer le nouveau perso, puis après, on va aller en live pour montrer quand même du bon gameplay. Ouais, je vais pas remettre le petit, quand même, ça fait un peu bâtard. Ah, comme je disais, ah, est-ce que, voilà, regardez, les tunas... Ah, c'est les kunai tuent, ah, peut-être pas, Non, je crois que les kunai ne tuent pas. En live par contre, ça c'est clair, ça tue pas. J'ai testé plein de fois, ça ne tue pas en live, si je me rappelle bien. Je vais pas essayer en live là, mais bon. On va essayer Boruto et tout et Sarada. On va pas essayer retour à la section de personnage. Ouais. On va pas essayer Naruto en Boruto. Non, ça sert à rien. On sait tous que Naruto il a pas changé, qu'il fait toujours des Rasengan. Par contre, ça m'intéresse un peu plus, tu vois. Donc hop, Sarada. Ah ouais, vous savez quoi, bon, on va quand même les tester un peu. Parce qu'ils seront contre nous, voilà, comme ça, tout le monde sera content, voilà. Et s'ils ont envie de faire une ulti, on les laissera faire. Voilà, et on va la prendre en mode... En mode Boruto, ouais. Parce que c'est débile, mais bon. Maintenant, on a le choix d'ulti sur plusieurs personnages. Maintenant, pour éviter de mettre 1 million de Naruto à la fois, ils ont dit, bah tiens, on va mettre un Naruto, mais il aura 3 ultis. Que au choix, vous pourrez sélectionner avant. On va tester déjà les combos qu'elle a. Ok, combo à rien et pas. Oh, combo à rien est pas mal, elle est assez violente comme perso. Ouais, wow, c'est vrai, maintenant il envoie des. Ça fait rien ça. Ah non, Ken! C'est débile! Ça par contre, je sais pas pourquoi ça existe. Ah, elle a comme son père. Sauf que maintenant, sauf qu'il maîtrise déjà les éléments de foot. C'est n'importe quoi, les petits maîtrisent déjà tous les trucs au monde, quoi. Laisse pas faire ulti. Voilà. Ça
Sakura, tu cherches pas la merde, ok? Tu me laisses faire l'ulti, voilà, très bien. Voyons voir à quoi ça ressemble. Ah, il a déjà vu ses Sharingan en plus, très bien. Un mélange entre Sasuke et... maintenant, on va jouer Boruto. Entre Sasuke et... Hein? Il vient de faire un Shinra Tensei. Donc Sasuke maintenant possède la taille de Pain. On y va. Voilà pourquoi Boruto c'est nul. Je pense qu'on a trouvé pourquoi. Ça c'est un peu la même que Naruto à l'époque en plus classe. Enfin en... C'est ça, ça c'est Nai. Ah maintenant il a... Donc Sasuke a Shinra Tensei. C'est n'importe quoi. Attention toi si tu veux. Ah oui carrément d'accord. Ah oui là on a la team de 3 là. Mais non, ça devrait marcher. Voilà. Le petit ulti de Boruto pour voir. Pourquoi il a fait du... J'ai cru voir un peu d'énergie en lui. Hadouken ! D'accord, il a pas du tout de charisme. Je ne trouve aucun charisme. Je suis désolé, mais non, il a rien. Je suis désolé. Hein. Pour tous ceux qui l'aiment, je suis désolé, mais pour moi, il a rien. Voilà, je vous le dis direct. Hein. Allez, touche-moi, je dois pas te toucher. Ah, vas-y, je vais juste montrer la TS3. Qu'on en finisse, voilà, c'est très bien. J'ai ça. Allez, on va tester la TS3. Non, on a. Voilà, on doit avoir un truc tous les deux. Ouais, on en a un. What the fuck. Ah, on dirait des super-héros. C'est n'importe quoi. Genre, ils font déjà ça à deux, quoi. Ok, bah vous savez quoi, ça me donne pas envie de voir Boruto. Bon bah, on va tester quand même les combos qui est là. Là on va jouer bien. Hop. Bon, comme ça vous devez à peu près jouer à Naruto comme ça à peu près. Hein. Mais le Shinra, il a un Shinra quoi, je vais mettre du temps à m'habituer qu'il a un Shinra. Hein. Pour moi c'est pas naturel. Hein. Hop, ouais, je vais bien tester un combo entier peut-être. Ah le fils de... Salut, il a le fond quand même. Il a tout en fait, le Shinra, le... Ouais, c'est n'importe quoi. Allez maman. Oui, c'est sa mère. Là, c'est pas une blague. Je vous jure, c'est pas une blague, hein. C'est sa mère. Laisse-moi maman montrer un combo à ma chaîne YouTube. Chapitre 17. Ah merde, j'ai pas tellement plus de vie. Un petit combo. Faut ma shuriken. D'accord, ok, oui, c'est un peu... Vous allez voir, on va la battre. Hein. Son éveil, c'est quoi? Oh, elle a le Sharingan, ok. Ah là là. Ah, j'ai gagné. Bah, je vais pouvoir monter. Ok, quoi. L'esprit d'équipe à son maximum, qu'est-ce que j'ai foutu? Vous avez achevé un adversaire pendant un éveil combiné. D'accord, très bien. Il y a des succès à gagner de partout maintenant, c'est débile. Dans tous les nouveaux jeux, c'est ça. Donc oui, je possède sur Xbox One, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Au cas où. Voilà. Donc maintenant que j'ai un peu montré, j'ai un peu expliqué comment marchait le gameplay, si vous voulez un peu plus d'informations sur le jeu, dites-le moi, j'en ferai une vidéo plus explicative avec des montages, sans que je joue en fait, plutôt avec... Il y aura du gameplay derrière et moi qui parle derrière la vidéo, voilà, plutôt comme ça. Donc maintenant, ce que vous attendez tous, et je comprends, le guac infini, le combat en ligne. Alors, combat en ligne, pour l'instant c'est dur de vous le montrer en état, parce qu'il y a soit des gens trop forts, soit des débutants, donc moi je fais partie... Je le dis, hein. Je fais partie des gens trop forts, parce que quand je croise un débutant, je lui mets deux rounds d'affilée, sans qu'il me touche, il y en a deux, trois, je les ai pas, ils m'ont pas touché une seule fois, j'ai mis deux rounds. Deux perfects, ouais, il m'a même pas mis un round, rien du tout. Donc voilà, voilà, c'est ça le truc, il n'y a pas encore de milieu, il y a rien, le jeu normalement sort demain, il sort le 5, on est le 4, vous aurez la vidéo le 5, mais normalement, il sort pas, normalement il n'est pas sorti, donc voilà quoi. Non, on va pas faire une recherche session, c'est chiant, parce que dans la recherche session, rappelez-vous, avant on pouvait choisir entre tout ce qui était donné, genre il y avait 10 joueurs, maintenant, la recherche session c'est comme une partie rapide en fait. En gros, bah tu cherches et puis tu tombes aléatoirement sur un gars qui a une bonne connexion ou pas. Voilà, là par contre, créer une partie, c'est vous qui choisissez un peu tout ce que vous voulez. Voilà, on va attendre un peu, on va parler d'abord du jeu. En attendant, quelqu'un qui arrive. Par contre, hein, je vous préviens, s'il est trop fort, on quitte. Pourquoi? Parce que là, j'ai que 22 combats de fait et 18 de gagnés. Vous allez dire, ouais, ils ont perdu que 4, c'est bien, même si on perd 1, c'est pas grave. Mais au début, faut vraiment pas beaucoup en perdre. Donc, sélectionnez bien vos...
Ouais, c'est une technique de bâtard, hein, je sais. Hein. Mais sélectionnez bien vos adversaires, et au bout de 50 combats, commencez à affronter tout ce que vous voulez. Comme ça, vous aurez déjà un pool de 50, et vous pourrez pas, les points que vous perdez seront pas trop conséquents. Pareil, dans le matchmaking de Revolution, c'était horrible. Le truc qui était horrible, vraiment, c'était les points. C'est-à-dire qu'on en gagnait 100, mais on en perdait 200, 300. C'était débile, on gagnait des fois on gagnait 1 ou 2 points par combat. Bon, hein, si t'es débutant, tu te gagnes pas 1 ou 2 points là. Là, alors, c'est à peu près par match, même plus fort que vous gagnez, entre 60 et 100 points. Et quand vous perdez, ça dépend de votre rang. En gros, j'ai perdu 100. Mais parce qu'ils ont vu que j'ai gagné beaucoup de matchs, et quand j'ai perdu, ils m'ont fait perdre un peu plus. Mais bon, dans Naruto, Revolution, c'était autre chose. Hein. Tu pouvais perdre à foison, et te fait... Et genre, bon, bah, genre, tu gagnes un match qui vaut, on va dire, 300 points, et t'en perds un qui te prend 600 points. Donc en gros, faut faire à peu près 3-4 matchs de gagner pour se permettre d'en perdre un et de pas perdre trop de PC, au moins que ce soit pas conséquent. Parce que, par exemple, je sais pas, vous faites 4 victoires, et vous faites 2 victoires et vous en perdez... Non, vous faites 3 victoires et vous en perdez un, et tous les points des 3 victoires partent parce que vous avez perdu. C'est bâtard. C'est quelque chose qui a été... Ah d'accord, lui aussi il a un truc. Ah, ça sert à ça, d'accord, ok. Alors le gars a l'air pas mal. D'accord, ok. Alors, ça sert à ça, d'accord, ok. Ok, je viens de comprendre, c'est marrant. Donc là, le mec a du niveau. Si je perds, c'est pas... Là, je sens que je vais... Ah non, faut pas dire que je vais perdre. En vidéo, j'ai fait... sans la vidéo, j'ai fait que de gagner. Mon petit frère est venu me regarder, j'ai dit, ah, regarde, viens me regarder et tout, je dis public, je fais que de gagner. J'ai perdu. Bah, j'ai perdu que 4 fois. 2 fois contre le premier mondial, hier, qui n'est plus, j'ai vérifié. Et une fois... Et 2 fois contre un gars qui lui a joué à la Naruto Revolution dans Combiton. Genre, oh putain, ça joue à Shirama, ça. Oh, mais j'ai déjà joué contre Julien Lastar. J'ai déjà joué. Non, en fait, je voulais jouer, mais ça s'est déconnecté parce que les serveurs sont pas encore bien au point. Là, ça peut se déconnecter à tout moment. Là, ça peut se déconnecter. Attention, il y aura un petit écran. Non, il y a pas de... Ok, c'est bon. Pas déconnecté. Et non, tu prends ça. Allez, c'est parti. Là, par contre, je vais éviter de trop parler. J'étais sûr qu'il allait me faire ça. Ah, putain, c'est chiant, ce perso. Voilà. Ce perso est très chiant. Il est très cheaté. Il peut arriver d'en bas comme d'en haut. J'ai pas vu qu'il est arrivé, tiens. Oh, putain, c'est chiant. Tiens, il a fait une erreur. Il se met pas pris le Shinra. Ouais, par contre, il prend ça. Ah, bien joué de sa part. Ça, c'est bien joué. J'ai déjà joué un peu contre lui. Hein. Oh putain, comment j'ai évité ça. Oh, bien joué. Là, je suis content. Là, je suis content. Non, trop tard. Oh, il m'a mis 2 fois, par contre. Il n'y aura plus trop de chakra. Non, je préfère pas faire ça. Et non, mon gars. Ah, tu prends Shinra. Et non. Tu fonces dans ma shop. Je commande pas beaucoup, mais... Les premiers matchs sont importants à gagner. Comme je vous l'avais dit. Ah, putain, quand j'ai pu prendre ça de ma vie, quoi. Ah, il a changé, c'est Madara, voilà, comme lui il change, moi j'aime pas trop changer comme vous l'avez vu, je suis pas encore habitué. Pour l'instant on est bien, mais rien n'est joué. Oh putain, c'est cheaté Madara. Là, j'ai pas de chance, il a pris 2 persos bien cheatés. Il a TS3 en plus. Oh le con. Ah putain. Il va arrêter de faire ça. Il va me la casser. Oh putain, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ok, maintenant c'est nouveau ça. Et il m'a cassé la garde. Ah putain, c'est dur. Yes, TS3. Boum, tu prends ça. Voilà. Comme il... Voilà, là on a l'ultra. Là, putain, c'est tout le monde. ce qui m'a fait vendre la révolution, mais c'est une merde en jeu. Heureusement que l'ultra est toujours là. Dans le Stamp 4, je pourrais un peu plus en profiter. Conan. Imakoso Kamino Shikadawa. Oui, je connais ça par cœur. Quand même. Par contre, là, il peut se transformer tout le monde, il peut faire beaucoup de choses. Là, faut vraiment que je fasse attention à moi. Il préfère faire ça. J'ai la garde verte, tu vois. Il a plus de barre. Il sait qu'il est mort. Voilà. Voilà. Déjà un round de plus. Là, on est bien. Voilà, là, le dégât compte pas. Et là, tout est rechargé. Allez, c'est parti.
Là, faut le mettre un maximum comme je vous l'avais dit. Et merde. Ah oui, non, on va pas se battre comme ça parce que je vais perdre un moment. Voilà, parce qu'il y a ce soutien là. Hashirama s'est pété en soutien. En fait, Hashirama s'est pété partout. Dites-vous que Hashirama s'est pété. Ah putain, j'ai pas vu Hashirama. Regardez comment c'est. Le gars veut pas que je l'approche. Il a raison, il a raison. Après tout, il a raison. Par contre, il fait vraiment chier. Faut que j'approche, faut que je fasse des dégâts. Ouais, déjà ça. Parce que là, s'il s'en tire, c'est comme si le round était à zéro un peu. On va piffer une ultra. Oh putain, le fils de. Non, non, non. Oui, il a pris un test 3, voilà. Il a rien vu, il a pas vu que le troisième perso était sorti. Là, on fait max dégâts. Voilà, là, ça va le mettre mal. Ça va le mettre très mal. Parce qu'il a pris une TS3 encore à pleine puissance. Et là, j'ai l'avantage. Là, j'ai l'avantage. Voilà. Regardez, je suis à 0 de vital, il me reste plus rien. Mais, je fais des dégâts. Et boum, bah, c'est un bon exemple de ce que je voulais montrer. Et là, j'ai une large avance. Là, je commence à... Mais il faut jamais se... Attention, hein, faut jamais se précipiter dans le jeu. Faut pas dire, ah, j'ai gagné, c'est bon, j'ai une avance. Ça veut rien dire. Bon, là, j'ai pas... De toute façon, je me défendais, là, j'ai pas réussi à esquiver. Mais si je défendais, j'étais mort parce que dégâts de gratte. Allez, c'est parti. Pour l'instant, j'ai l'avantage. Je viens de me prendre une ulti. Mais pas chargé, donc l'ulti n'est pas chargé. D'accord. Okay, donc j'ai foncé dans une ulti. Je suis pas bien. Bon, comme ça, j'ai jamais vu cette ulti. Ah si, j'ai vu. Mais là, elle va faire aucun dégât parce qu'elle a rien chargé du tout. Ah si, quand même, fait des dégâts. Attends, c'est n'importe quoi. Tous les persos pétés ont des meilleurs dégâts que moi, quoi. C'est fou. On dirait que ça, par contre, l'équilibrage des ultis, c'est toujours acheté dans la route, quoi. Non, non, ça, j'ai pas pu prendre ça parce que j'étais en défense, mais c'est pas grave. Putain, je sens qu'il va gagner s'il fait ça. Le mec veut pas de moi. Vas-y, hein. Tu prends, non. Attaque moi et on y va. Il a pris attaque plus. Oh putain. Ça. Ah putain, je sens que je vais perdre, c'est ça. Ça, je sens que je vais perdre, écoutez, c'est pas grave. Mais... Je suis en déçu, parce que je vais vraiment gagner pour vous. Non, 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 non. Non, mais je me suis substitué, bordel de... Par contre, substitution, maintenant, je sais pas ce qu'il fout, en fait. Allez, allez, faut que la TS3 rentre, là. Allez, faut qu'elle rentre. Ah, putain, elle rentrera pas tout de suite. Sans... Je fasse une grosse erreur de merde. Oh, je vais pas casser la garde, quoi. Sérieux, non, ça se casse. Dans les links, ça marche pas, je vais perdre. Eh ben écoutez, c'est des choses qui arrivent, hein, de perdre, hein, voilà, j'ai perdu mon premier combat, fait chier. Voilà, comme je vous l'avais dit, on peut se faire remonter, surtout qu'il joue des personnages cheatés. Voilà, ça... Alors, il n'aurait pas gagné s'il n'aurait pas joué ses persos, je vous le dis direct. Voilà, c'est des persos qui tiennent loin, c'est des persos qui sont beaucoup joués, et c'est des persos contre qui vous allez tomber tout le temps, parce que c'est des gros fils de pute. Voilà, je vous le dis, voilà, t'es un fils de pute, tu ne sais pas jouer à Naruto, mais c'est pas joué, vous avez vu, hein, bon, voilà, il n'y a aucun combo. Voilà, là, je perds que 100, donc ça, voilà. Regardez, aucun combo, rien du tout, c'est les joueurs lambda que vous verrez plus sur Naruto, c'est un peu la... Ouais, bah, c'est ça qui m'énerve un peu sur Naruto. Vous verrez jamais un gros truc. Vous verrez jamais. Bah si, vous pouvez voir, mais pas tout de suite, quoi. C'est là tout le monde. En fait, je n'en veux pas parce que je le comprends. Quand j'ai commencé Storm 2, je voulais perso cheater. J'ai vu que ça marchait pas. J'ai commencé à jouer une perso que j'aimais, donc Conan, et ça marchait. Donc oui, c'est. Là, je fais recherche, enfin exprès. Je sais pas si je vais trouver. Mais oui, à l'époque, c'était complètement différent. Ouais, bah si, vas-y, on y va. On va rejouer Conan. Ouais. Là, il y a déjà un peu plus de niveau que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, je tombais vraiment que contre des débutants, en fait. Ça, par contre, faut pas que je la perde. Faut vraiment pas que je la perde. Parce que ça me... Ah, déconnecte. Voilà. C'est eux qui arrivent souvent. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas lui qui a quitté au coup. Hein, ou sa connexion. Je pense pas que c'est sa connexion. J'espère que ça va pas me le faire dans cette vidéo. Parce que ça va m'énerver. Mais voilà, c'est le serveur Naruto. Je vous présente le serveur Naruto. C'est n'importe quoi. Pour l'instant, c'est vraiment n'importe quoi. Je crois, aucun Naruto n'a commencé avec un serveur aussi pourri que celui-là. Je vous le dis, hein, je vous le dis direct. Ah putain, j'aurais bien voulu gagner ce match, en fait. Ça me saoule un peu. Bon, vous avez vu, le jeu est beaucoup plus dynamique. Et on peut servir du... je me suis pas beaucoup servi de la contre-attaque. Je crois même pas une fois. J'aurais peut-être servi, j'aurais peut-être gagné. Mais bon, maintenant j'ai plus l'habitude, on dirait un Storm 3, c'est trop bien. Alors lui, non, non, lui, il va aller se faire foutre. Non, non, alors non, non. Non, non.
Non, lui, alors lui, il va aller se faire foutre, voilà. Parce que vous avez vu, hein, le mec, c'est un des premiers mondiaux. Ceux qui ont 1600 et quelques, pour l'instant, c'est les plus forts. Donc c'est même pas la peine, j'ai pas envie de me faire prendre une rouste encore en vidéo. C'est pas vrai, attends. À chaque fois, je tombe sur... À chaque fois, même des gens durs, j'arrive à les battre. Et là, bon, il était pas si dur que ça, j'ai déjà battu en plus, Uba. J'ai recroisé même joueur, forcément, on n'est pas beaucoup encore, mais... Pareil, non mais Gin, non mais j'ai pas leur niveau, moi, Gin, non mais... Voilà, là on trouve que les gens bien sûr hein, qui peuvent me défoncer. Bon si on trouve pas, je voudrais bien trouver un petit débutant. Attends, je... Non mais quelqu'un quand même qui a des bases, comme celui de la dernière fois où j'ai perdu, sauf qu'il jouait. S'il jouerait des vrais persos, bah pas des vrais persos, je sais que c'est des vrais persos. Mais s'il jouerait des persos moins cheatés. Parce que ça vous avez vu comment ça vous prend à part. Hein. Oh là là. Ah je sais, c'est bon. Allez. Ça vous prend vraiment à part, hein. Ça attaque de loin, de près. Madara casse très vite la garde. Bon, c'est un des derniers personnages ajoutés dans le jeu, hein, donc que voulez-vous, hein, voilà. Hein. Conan, c'est Storm 2. Et même sur Storm 2, c'était pas fort. C'est pas que c'était pas fort, fallait savoir bien le jeu pour que ça soit très fort, mais je surprenais plusieurs... On va créer une session parce que ça me saoule. Parce que je perds du temps de vidéo à faire ça aussi, hein, parce que ça m'énerve. Pas comme si j'étais en live, on s'en foutrait. Non, là. Créer une session, voilà. Allez mon ami, tu peux le faire. Allez, maintenant faut trouver quelqu'un. Donc oui, j'ai perdu 5 matchs, mais j'en ai gagné quand même 18. Donc du 18-5, ce qui vous fait 78% de ratio de victoire, ce qui est très bien. Mais ratio de victoire, pour l'instant, ça veut rien dire. Comme je vous avais dit, le temps que vous n'avez pas un gros pool, hein, genre un pool de 50 matchs au moins, sans en perdre de trop, là vous commencerez à avoir des pourcentages un peu plus fixes. Alors comment je le sais, alors que j'ai pas beaucoup joué à Revolution, parce que c'est un jeu de merde, parce que j'ai un ami qui a adoré Revolution. Mais franchement, il l'a adoré. Hein. Bon, moi je comprends pas comment des gens peuvent adorer ça. Dans un jeu de combat, un coup qui te stun, qui met 5 secondes de stun, non, pour moi non. On est bien d'accord que non. Ouais, voilà, non. C'est comme si dans Street Fighter, je sais pas, Ryu, c'est quand il te fait un Hadoken et qu'il te touche, t'es stun pendant 5 secondes, tu peux rien faire. Bah, pour le joueur de Street Fighter, ils vont comprendre que c'est horrible. Même si vous avez regardé Ultra ou Super que j'ai fait sur... mon premier Super, ce que j'ai fait sur Ultra Street Fighter 4. Ah bah très bien. Allez hop, aucune victoire, un débutant. On voit le défaut, et il a déjà perdu 3 fois, 3 matchs, 0 victoire. Là, voilà. Vous avez dit, il se bat que contre des nuls, c'est pour ça qu'il gagne ses points. Non, je peux vous dire qu'hier, c'était pas des nuls. Oh, mais j'ai perdu que 2 fois, ça qui m'impressionne en fait. J'ai fait 12 matchs. Non, j'avais fait 14 matchs, j'ai perdu que 2 fois. Mais je peux vous dire hein, que sur les 14 matchs, oh mon dieu. Non. Putain! Ah, ça me saoule, voilà, présenter un jeu, même pas des one, que j'appellerais... comment on peut appeler les jeux qui sont pas des one, hein, des jeux de chiasse, voilà, on peut expliquer ça comme ça. Oui. Merde, quoi, mais fais chier, on va trouver une partie ou quoi, un jour? Ah, voilà, c'est ce qui arrivera souvent sur vos parties de Naruto, hein. Alors là, ça c'est génial. Ça, c'est l'amour en paquet de barres, ça, tu vois. Ça, t'es content quand t'as ça, parce que tu dis, ah yes, j'ai trouvé une partie, non. Ça c'est pas lui qui a quitté, hein, vous inquiétez pas, ce sera pas compté comme des connexions ou autre, hein, non, vous inquiétez pas, parce que moi ça me l'a fait je sais pas combien de fois, j'ai cru que c'était moi et puis j'ai eu aucune déconnexion. Alors faut savoir que le nombre de déconnexions ne sont pas comme dans le Storm 2 au bout de 10, ça reste maintenant depuis, je me rappelle plus, depuis le 3, voilà, ça reste. Alors sur le Révolution, tous les gens qui ont quitté, mais je les comprends, j'avais fait pareil, des gens qui ont 2000, qui avaient fait 2000 bataille, donc à peu près 2000-3000 matchs de Naruto, et qui en avait gagné juste... Allez, non, ils en avaient gagné un peu plus que la moitié et étaient rang 8. Rang 8, hein. Rang 8, sur Naruto, c'est rien, rang 8, hein. Qui était rang 8, et qui avait des défaites, mec. Oh là là, les pauvres, j'étais dans ce cas-là, faudrait que je vous montre un screenshot en live, hein, ce jour, ou même dans cette vidéo. Non, je pense pas que j'aurai le temps dans cette vidéo, mais... Ouais, allez, on y va, c'est bon. Je sais pas si... Facho... Non. C'est interdit, ça. Non, mais c'est interdit. Le mec s'appelle Facho 1930. Non, mais c'est interdit. Bon, mais il a quitté, très bien. Très bien, il a vu que j'étais trop puissant pour lui. Donc oui, comme je disais, oui, il fallait vraiment que je vous fasse ça. Hein. Faut vraiment qu'un jour, je vous montre... J'ai quitté, mais je crois que j'ai quitté 70 fois dans un Naruto, ça m'est jamais arrivé. Moi déjà, quand je me déconnecte 5 fois, soit j'en ai marre, ou soit ma connexion a bugué, je m'en veux beaucoup.
Je suis un putain, pourquoi je quitte, non mais je suis bon à jeu, ça sert à rien de quitter, upset ta défaite, même si c'est un bâtard qui a spammé la même touche, et voilà. Bon, on y va là cette fois? Ok, 3, pareil, il a pas... Ah, s'il te plaît, ne bug pas. Pareil, lui, il a rien, il a perdu 3 matchs, et il n'en a fait que 3. Donc, un débutant, bah c'est ça, vous trouverez beaucoup de débutants. Ouais, bah bon, tu dis ça, bah t'aurais pu jouer contre les Genin et tout. Non, je veux pas, je veux conserver un pool. Alors moi, je suis plutôt le joueur qui cherche pas les gros. Bah, c'est pas dire que je me sers sur les noobs ou quoi, hein, mais sur les gens de mon niveau. Donc en gros, je gagnerai pas beaucoup de points, mais j'aurai beaucoup de batailles à mon actif. En gros, c'est ça qui fait peur. C'est pas forcément... On va changer de map quand même. C'est pas... J'aime bien celle-ci. C'est pas forcément le nombre... Le nombre de victoires... Oh putain, il y a une barre, bien sûr. C'est pas le nombre de victoires qui... Plus qui compte... c'est plutôt le nombre... Bon, le nombre de... pas le nombre de points, mais c'est plutôt le nombre de victoires et de batailles que vous avez. Qui fait peur à l'adversaire. Ça lui fait peur. Oh putain, est-ce que... Oh, c'est décalé. C'est décalé. Le match est décalé, génial. Alors, je vous trouve un match... Non. Alors ça... Non. Celui, il sait jouer avec sa connexion. Moi, je sais pas jouer avec sa cour. Putain, mais j'avais pas vu ses barres, j'ai pas fait attention, j'ai cliqué comme un tard. Non mais là voilà, là c'est les gens qui savent jouer avec leur connexion. Alors là c'est merde. Là, j'aime pas prendre des défaites comme ça, parce que ça c'est sûr, ça c'est une défaite hein, pour moi. Le mec c'est pas joué, regardez ça se voit. Mais oh, putain, mais j'étais en train de redash. Putain. Bah ça me fait chier, je vous le dis direct. Voilà, regardez. Ça c'est sa connexion. Tout, alors, voilà, là je l'ai appelé depuis, allez, au moins une seconde. Une seconde de décalage dans un jeu de combat, c'est terrible. On va jouer devant. Super, vive le combat. Eh ouais mon gars, ça je peux trop le prendre. Allez, on va jouer comme lui. On va jouer devant. Voilà, parce que, bah, bien sûr, il y a la connexion. Je suis désolé, je vais vraiment vous montrer un vrai match. Mais c'est connexion bug, donc voilà. À chaque fois, il va se le prendre. Pareil, il a pas, il voulait permuter peut-être, mais il a pas pu. Oui, je sais jouer quand même sur les... Oh, genre, il a pu, quoi. Oh, ça m'arrive jamais, ça. Moi je suis psy, 8 minutes après. Ah non, il a pas intérêt à se transformer. Alors là, non, c'est même pas la peine. Ah, il se transforme. Super. Il se transforme sous anneau. Pourquoi j'ai fait ça? Oh, voilà, parce que... Oh oui. D'accord. Non mais j'ai bien fait en fait. Il est complètement con. C'est très bien. Boum. Voilà. Je voulais vous montrer de beaux matchs, mais là, on a pas de chance. Vraiment pas de chance, c'est du décalé hein. Là vous le sentez peut-être pas, moi c'est décalé à max hein. Là j'ai attaqué depuis tout à l'heure quoi, c'est fou. Mais attaque, voilà. Ah puis le Hunton, c'est moi qui traverse toutes mes techniques. Parce que c'est le Hunton hein, c'est la première truc du manga donc je veux bien, mais bon quand même quoi. Je peux pas faire de contre-attaque du coup. Oh non, ne te mets pas. Tiens. Oh, il m'a cassé ma garde parce que je voulais RTX mais j'ai pas pu. Très bien. Là c'est chiant, là franchement c'est chiant, j'avoue que là c'est pas drôle. Non mais... Ah les joies du live. Ah je suis sûr qu'il avait foncé. Allez, est-ce que... Non, c'est trop... Ah, dommage. Ah bah non, mais j'avais lancé depuis tout à l'heure, hein, mais bon, voilà. Non, là, ah, il va me percer ma défense. J'arrive pas à... Putain. On dirait que celui qui a la plus mauvaise connexion a une meilleure quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais lui, il se débrouille quand même avec, quoi. Oh, regardez-moi ça. Prends-moi ça, au moins, là. Voilà, il prend parce que décalage de coup. Mais, voilà, faut que ça serve quand même à tout le monde, le décalage de coup. C'est lui, c'est à ça que... Ah, putain. C'est pas grave, là, comme ça. Je remets encore une. Ah, mais il a pas compris, hein. Là je suis large, hein, c'est bon, même avec les décalages de coups je suis bon là. J'ai un round de plus, il a pratiquement plus de vie. Très bien. Ouais, c'est très dur, vous allez voir, c'est très dur de jouer à... Tiens, fonce dedans. Ah, j'ai fait depuis tout à l'heure mec, il est quand même rentré. Allez. Allez. Non, tu veux pas. Ok, là je prends tout. Oh, le mec me redache à vie. Hein. Le mec est fâché, hein. Le mec dit, ah oh, c'est sa connexion, je suis sûr qu'il pue. Non, c'est la tienne, j'ai la fibre. Même si je l'ai plus pendant... J'aurais plus la fibre, hein. Je suis désolé, mes amis. Oui, je n'aurais plus la fibre, parce que je vais déménager. Mais... Ah, j'ai cru qu'elle était rentrée à cause du décalage de gauche, j'ai eu peur. Je sens qu'elle est très défensive. Ah, putain, je la prends. Ah, ça va. Du coup, c'est ultime, non, c'est...
Allez, dégâts gratte au moins. Oh putain, oh, je le vois des kilomètres l'ultime et tu peux pas défendre. J'arrive pas, hein. Mais... on va le toucher? Putain! Voilà. Décalage de coup, voilà, je sais pas que je voulais pas le toucher, mais voilà, décalage de coup. Alors ça, ça a rien, ça, tous les jeux de combat sont comme ça. Hein. Voilà, par exemple, les joueurs de FPS, ils vont un peu dans, ils se téléportent un peu n'importe où, bah dans les jeux de combat, c'est pire. Parce que nous, si on quitte, on perd des points, vous en perdez pas. Bon, à part si vous êtes en classé, je sais pas quoi, en ranked, mais en ranked, mais bon, nous, on perd tout notre mérite, c'est un jeu de combat, donc voilà, 40. Voilà, quand même, j'ai gagné quand même un peu. Allez. Est-ce que je vais vous montrer un bon match? Un match où je peux quand même me dire, allez, celui-là c'est le mien. Mais il était bien le match que je vous ai montré. Je suis content du match que je vous ai montré, même s'il est perdu, parce qu'il a pris des persos plus cheatés que les miens. C'était quand même un beau match, vous avez vu à peu près tout ce qu'on pouvait se faire, et le niveau, voilà. C'est à peu près ça le niveau des joueurs moyens. Il était pas fort, c'est pas un pro le mec, ça se voit. Mais, il avait des bas, ça se voit qu'il joue pas... Moi ça fait 6 ans que je joue à Naruto, 5-6 ans. Non. Si victoire une défaite, non. Je le dis. Je suis comme ça, faites comme ça au début, hein, parce que sinon vous allez vous en mordre les doigts. Hein. Vous allez rester bloqué, parce qu'on gagne quand même moins de points qu'avant. Dans Storm 2 et dans Storm 3, on pouvait faire un peu n'importe comment. Mais depuis Révolution, faut faire ça. Vous gagnez pas énormément de points, donc vous pouvez sélectionner. On voit le nombre de défaites et de victoires. C'est pas comme Street Fighter où on voit rien. C'est ça qui est bien. Mais Street Fighter, c'est pas pareil. Street Fighter, c'est autre chose. C'est pas dégueulasse, Street Fighter. Parce que Naruto, c'est vraiment, c'est des néophytes qui peuvent te battre. Hein. Le gars est fan de Naruto, il a jamais joué à un jeu, et puis il piffe les boutons, il te bat. Bon, dans Street Fighter, ça peut être ça aussi, mais beaucoup, beaucoup moins. C'est ça qui est rageant dans le jeu, en fait. C'est pas le fait de se faire battre, c'est le fait de se faire battre par un mec qui sait pas jouer. Moi, j'aime bien quand je me... Bon, j'aime bien, je suis pas... Je préfère gagner, hein. Mais quand un gars me bat, et j'ai pris ma dose, hein, franchement, j'ai rien compris. Ou soit c'était serré, mais il m'a battu. Bah, écoute... GG Wallplay, qu'est-ce que je te dise d'autre, t'as bien joué et tout, là je suis content. Par contre perdre contre un mec qui spam avec un perso cheaté ou qui fait un peu n'importe quoi, c'est le premier jour qu'il joue au jeu, il te bat, ah tu peux le prendre très mal. Je vous le dis, hein, tu prends ça très mal, hein. on prend ça vraiment très mal. Oh putain, non, il va me refaire le bug. Oh, me refais pas le bug, ah les serveurs de Naruto. Voilà, ça va prendre deux plombes. J'ai juste fait B, ça va prendre une plombe et demie là, c'est... Merde. J'ai presque envie de relancer le jeu quoi, c'est... c'est, oui, ouais, franchement j'ai presque envie. Je voudrais pas dépasser comme l'une heure de vidéo. De toute façon, on refera hein, du Naruto sur ma chaîne. Ne vous en faites pas, c'est ultra ou super, ultra ou super. Parce que je voulais vous faire du Street Fighter 5, sauf que ça, je le laisse sur PC, parce que j'ai pas envie de m'acheter une PS4 juste pour un jeu ou vendre ma Xbox One. Donc du coup, la capture sur PC, ça va... Même si j'ai un bon PC maintenant, ça reste un PC portable. Mais capturer en même temps que jouer à un jeu de combat... Non. Franchement, il faut une tour, Hearthstone, League of Legends, ok. Les MMO, ok. Par contre, les jeux de combat qui demandent des frames de perfection, non. Bon écoutez, on va relancer le jeu, ça va prendre moins de temps. Voilà, ça c'est le bug. Voilà, pour l'instant, le jeu est bugué. Je vous le dis, hein, vous l'avez vu, le jeu est bugué. Le jeu est bugué, ça m'a, c'est n'importe quoi. Mais bon, on va quand même finir sur un dernier match. Après, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis très content d'avoir de faire cet ultra ou super sur Naruto Storm 4, un jeu que j'attendais. J'avais peur de ce jeu, j'avais peur. Parce que quand Révolution te met dans le mal et te dit « Ah bah tiens, maintenant c'est ça le jeu » et il y a des stuns de 5 secondes, je peux te dire j'ai eu mal. Et quand j'ai vu à la Japan Expo, on pouvait le tester, je dis au gars « Écoute, est-ce que je peux juste tester un truc? Tu fais ce que tu veux après. » Je teste le RTX, il n'y a plus de stuns. Ah mon dieu, c'est bon, c'est un vrai jeu. Enfin, juste ça. Hein. Et j'ai eu aussi cette angoisse-là pour Storm 3, parce que Storm Génération, c'était n'importe quoi avec les barres de substitution. Personne ne comprenait rien, beaucoup ont abandonné le jeu, et moi, c'est à cette époque-là où j'ai commencé à devenir très fort sur Storm 2, parce que je suis retourné sur le 2, et comme beaucoup de monde, hein, le 2, à un moment, était plus peuplé que le Génération. C'est pas une blague, hein. Le 2, il y avait plus de monde que Génération, parce qu'ils ont vite compris que c'est de la merde. On a dit, allez, enlever les substitutions de mon cul, ils l'ont pas fait. Mais le Storm 3, ce qui était bien, c'est que ça se rechargeait assez vite, et qu'il y avait un vraiment bon gameplay. On s'est dit, ah bah, le Révolution, ça va être pareil avec plus de persos. J'ai pensé ça quand j'ai battu le développeur, parce qu'il n'avait pas utilisé le RTX contre moi, parce qu'il voyait très bien que je connaissais pas. Parce que voilà, quoi, c'était un nouveau truc de gameplay, et surtout, il l'avait pas dit à l'époque, hein, ça faut le savoir. Donc, il n'y avait pas de contre-attaque à l'époque, et quand j'ai vu ça... Je me rappelle que j'avais fait... En fait, la vidéo que vous avez vue, qui est de la découverte de Storm 3 il y a un an à peu près. Non, je jouerai pas contre toi. Il y a un an à peu près que vous avez vu. Non, on va plutôt créer une session. Qui est le meilleur Ninja Naruto Storm ever, ou le meilleur Naruto Storm du monde, un truc dans le genre. Parce que
je savais qu'il y avait ça, mais je savais pas à quel impact ça pouvait avoir. Je dis, ah, c'est bien et tout, on pourra faire des trucs comme ça pour... Mais dans mon cœur, quand je commente la vidéo, je me rappelle, je fais... Dans ma tête, j'avais pas dit, je dis, putain, ça a posé quand même 2-3 problèmes. À peu près, ça a posé quand même 2-3 problèmes au jeu, quoi. Et ça en a causé. Beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui se retrouvent en PLS, qui étaient 4 fois plus forts que moi, et qui n'arrivaient pas à atteindre un rang 10. Voilà, c'est n'importe quoi. Mais c'était ça la réalité, la triste réalité du jeu Storm Revolution que je vous conseille d'acheter en occasion, juste pour voir à quel point c'est pas un jeu de combat. Un jour, je vais vous faire un ultra ou super sur le pire. Pour moi, ce qui est le pire jeu de combat, et pour moi, c'est vrai que c'est pas le pire jeu de combat ever, hein, mais pour moi, ça l'est. Parce que moi qui suis fan de Naruto, moi qui achète tous les Naruto depuis Storm 2, j'ai très mal vécu. Franchement, je voulais plus aller sur le jeu. À chaque fois, je mettais le jeu, j'avais une victoire et puis 8 défaites. Je râlais, ça me faisait rager. Et je suis plus retourné sur Naruto depuis un an. Révolution, je suis retourné il y a 2 jours. Et vous savez ce qui m'a pas fait vendre le jeu comme génération? Parce que j'ai battu le développeur à la Japan Expo. Je vous mettrai la vidéo en description. J'ai battu le développeur à la Japan Expo. Donc je me suis dit, non, je le vendrai pas parce que j'ai beaucoup de souvenirs avec ce jeu, ça m'a... Les gens m'ont encouragé et tout, j'ai découvert Kushina, voilà. Juste Kushina, je pouvais pas, c'est une super perso Kushina dans le jeu. Et je pouvais pas me dire, ah non, jamais. Je pouvais pas me dire que je le vende, mais je m'en servais plus. J'ai joué une semaine avant la sortie de Storm 4 pour me remettre dedans, mais j'ai rien perdu. Alors vous allez voir, hein, on perd pas beaucoup en niveau dans Storm, hein, c'est un jeu facile, c'est mono-bouton presque. C'est pas... Non, non, pas toi, non, on va te faire foutre. Non, ça c'est... Non, ça c'est le mec qui nous a battu avec ses persos cheatés. Donc voilà, t'as déjà gagné une fois, t'es content, voilà, on est content pour toi, va te faire foutre. Mais Johan, tu vous as dit un dernier combat, oui, la vidéo fait déjà 1 heure, je sais. J'ai envie de trouver quand même, et cette fois sans décalage quoi, un bon match quoi, parce que c'est vrai que là ça m'énerve un peu. Ça qui est chiant dans Naruto, c'est l'attente. Si je prenais un peu tout le monde, ok, mais... D'accord. Si tu veux. Voilà, ça c'est Naruto. Voilà. Ah, les serveurs. Ah, dans tous les serveurs. Mais après, c'est vrai que j'avais pas acheté les jeux pas Day One, mais là on est déjà à la version 1 point, je sais pas combien. Finalement c'était la 1.0 hier, et là il y a une mise à jour parce qu'il y a eu des problèmes. Quand vous allez dans le classement, pour votre classement, ça buguait, ça faisait friser le jeu. C'est pas une blague. Pas hier, mais... Oh non, mais ça va les mecs, quoi. Non, mais... Ah, les mecs sont trop forts, c'est bon. C'est vrai qu'ils ont pas attendu de combat que moi, mais ça sent les mecs qui maîtrisent déjà le jeu. Et c'est, en fait, c'est pas que j'ai peur de ça, c'est surtout que j'ai peur que les gens ils ont squatté Révolution, et j'en ai trouvé un mec qui jouait à la Révolution. Parce que Révolution, ça jouait comme ça. En gros, vous voyez ce que j'avais fait contre le gars que j'ai tombé avec la décalage de Ko. Le décalage de Ko, un peu trop con là, la décalage de Ko là. Le Sasuke. Et bah c'est ça, on joue tout le temps au loin parce qu'on avait peur du stun. Et c'était très dur d'aller encore à corps parce que tu te prends un stun, tu prends 5 secondes de stun. Tu peux prendre du ulti, un gros combo, tu peux faire n'importe quoi de son corps. C'était débile, même ça se prend un peu par deux chakras, c'est rien. C'est vraiment débile. Et moi quand Super Connect 2 a dit que pour Storm 4 il y aurait quand même la contre-attaque, j'étais pas content. Ah il a 3 barres. Franchement j'étais pas content. 2 barres, mais c'est la même, c'est pas grave, c'est bien. J'étais pas content. Parce que je me suis putain, on va encore avoir un jeu de merde à chier, bien pourri, bien tout moisi. Et en fait, non. Ouais, donc ça, je suis très content. C'est un... Je dirais pas parfait. Pour moi, le parfait, c'est Storm 2. Voilà. Et pour d'autres, ce sera Storm 1. Ils manquaient juste le live et je les comprends. Mais pour moi, c'est Storm 2 le plus parfait. Parce que à chaque coup que tu mettais un Rasengan dans le vent, boum, ulti, punition à la Street Fighter. Nickel. Et c'est comme ça que j'apprends à jouer un peu plus aux jeux de combat, parce que comme je vous ai dit, j'ai joué à Guilty Gear, à quelques petits jeux quand j'étais petit, de noms que je me rappelle plus. Mais quand t'es petit, t'appuies un peu sur tous les boutons en faisant n'importe quoi. C'est après, quand tu reviens sur ces jeux-là, que t'apprends à faire un vrai combo. Mais du coup, ah, on va faire ça au village de la pluie. Mais pour être dans le thème, enfin, mais du coup, voilà, j'étais... Oh, Tsunade-sama. C'est très long, d'accord. Ok, Aku, une perso tellement que j'aime beaucoup, qui est tellement useless dans le jeu. Ça par contre, je trouve ça... Je trouve ça très classe. Allez, ça quitte pas. Ok, let's go. Il a l'air de débuter. Oh oui, le monsieur débute. Oh oui, il débute. Alors, vous allez voir. Voilà, ça, c'est le jeu. Au début de tous les Naruto, c'est comme ça. Vous en faites pas. On aura souvent des débutants. Vous allez voir, ça va être mieux après, hein, mais... Ouais, là, il piffe un peu. Ça doit être son premier jeu. Ou... Ouais, belle shop.
la pichenette de divine. J'appelle ça comme ça, la pichenette divine. Allez, là, par contre, vous allez voir tout mon arme. Hop, vêtement déchiré. Est-ce que ça marche, ça? Non, d'accord. Oh, putain, ouais, c'est plus décalé maintenant. Dommage, parce qu'avant, on pouvait faire ça, c'était génial. Quoi? Attends, tu veux que je te montre comment je fais? Je fais comme ça, moi. Tu vois, comme ça, et hop, je me multi. Ah bah, faut montrer. Ah bah, donc il a un type équilibré. Ok, voilà. Ah, parce qu'en fait, j'aurais dit, merde, ce serait un bon joueur, parce que, merde, j'ai dépensé un dash pour rien, mais en fait, comme il est nul, je m'en fous. Franchement, je vous le dis, hein. Toi, tu te transformeras pas. Voilà, ça, c'est du gros coup. Je sais pas si... Non, j'ai pas réussi à mettre le gabon, je crois. Est-ce qu'il va venir dedans? Il va venir dedans, ça va. Je suis en a qui viennent dedans. Et on va prendre le papier. Ah, merde, je suis allé derrière, d'accord, okay. C'est pas un problème, vas-y, viens. Est-ce que ça marche? Non, je vais l'apprendre, mais tout va bien. Parce que ça marche dans tous les autres storms. Si vous faites une TS3 avec Conan, les ultis de zone marchent, prennent le pas devant les... Ça sert à rien de faire... Arrête de me suivre, ça sert vraiment à rien, tu engendres juste à mort. Ouais, parce que ça sert à rien de me coller, surtout si je dash. On va essayer de faire ring out. Allez, fais un petit ring out. Ah, il veut pas... Non, 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 pas de ring out pour moi, pas de ring out. Merci. Allez, on va le faire ring out. Mais avant ça tuait ring out, maintenant je sais plus si ça tue. Dans le Révolution ça tue plus, dans le Storm 3 ça tuait. Ça c'était un peu con que ça tuait quand même le ring out, parce que c'était simple, tu le mettais dans un coin et tu gagnais un premier. Hein. Ça c'est pas... Dans le Storm 2 c'était pas possible de passer en train, c'était... Tu prenais, tu passais en bas, tu le reprenais quoi. Oh, je pensais pas que j'allais prendre tout ça dans ma gueule. Tiens, je suis là. Allez mon gars. Je suis gentil, je redash pas. Hein. Allez. Voilà, ça c'est du combo. Ouais, je te laisse te transformer parce que... Parce que je suis sûr que tu vas prendre l'ulti et que tu vas foncer comme une merde. Qu'est-ce que je vous avais dit? T'es wa hakekosh. Je l'avais dit. Et ça prend. Et boum. C'est bon. Oui, vous allez dire, ouah, victoire facile, c'est trop une merde en fait. Non, mais c'est le début du jeu et pour l'instant, c'est soit des débutants, soit des mecs trop forts. Vous revenez dans un mois, le jeu sera équilibré. Bah, le jeu sera équilibré au niveau des joueurs. C'est toujours comme ça, Naruto. Normalement, à chaque fois, j'essaie de couler l'histoire et tout, mais maintenant, l'histoire prend beaucoup moins de temps à faire parce que c'est plus de l'aventure comme avant. Donc, bah, du coup, je me suis lancé à corps et âme perdu dans le live directement. Ce qui est pas bon de faire ça, hein, mais. Quand vous êtes pas bon, c'est pas bon de le faire. Mais je veux pas dire que je suis... Si, je suis bon. Oh, je me vante, allez. Si, je suis quand même un bon joueur maintenant, c'est clair. J'ai pu battre le développeur, je peux faire beaucoup de choses avec ça. Bon, on va quand même faire un dernier match. Quand même, hein, c'est la présentation de Naruto et c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de matchs. Donc, un dernier match. Je suis quand même pour 180, ouais, c'est ça. Donc, en gros, j'ai perdu 5 matchs, j'en ai gagné 20. Donc, ça, j'ai un bon ratio. Ça, je suis un peu déçu de moi. Mais... Parce que avant dans Storm, dans les autres Storms, dans Storm 3, ma première défaite, ça a été au bout de, je crois, 65 victoires et j'ai pris ma première défaite. Voilà. Pour vous dire, je suis un papa sur le jeu. Hein. Sauf que là, bah, avant, bah, j'avais, comme je vous avais dit, j'avais laissé couler. En fait, j'avais laissé couler le live, ce qui est bien, ce qui est bien de faire ça. J'avais laissé couler le live, puis j'avais fait l'histoire qui était longue. Puis j'avais... C'était le moment aussi où je commençais à jouer à Street Fighter. Donc du coup, je jouais aussi en même temps à Street Fighter. Puis vraiment, je dis, allez, on va sur Naruto. Et boum. Et je me suis pris, allez, je crois que je suis à 600 victoires pour aller 200 défaites, même pas. Et sur Storm 2, qui est celui que je préfère des Storms, je suis à 1000 victoires pour 300 défaites. Je me suis dit, quand j'avais 16 ans, 14-15 ans, je me suis dit, je quitte ce jeu. Je ne veux pas avoir plus de 300 défaites. Parce que j'en avais, je crois, 299 ou 298 quand j'avais dit ça. Je me suis fait battre 2 fois. Et après, j'ai botté 100 culs d'affilée. C'est pas une blague. 100 culs. Mais vraiment, j'en ai battu 100. C'est pas une blague, hein. Les 100. J'ai pris les 100. 100 gens sont présentés à moi. Right. Voilà. Voilà, c'est qui? Encore un débutant. Bon. Ça veut rien. Attention, ça ne veut rien dire. Il a 0-0. C'est peut-être un nouveau joueur qui joue. Faut faire attention à ça, hein. C'est sûrement un nouveau joueur, mais qui joue qui a joué aux anciens. Parce que moi je me suis fait PG 2-3 fois, bon j'ai gagné, j'ai quand même réussi à gagner, mais je me suis bien fait PG 2-3 fois. Voilà. Donc on va montrer du Conan, on va montrer du Kushina, pour pas changer. Alors avec, comme Kushina est assez faible, c'est pas qu'elle est assez faible, mais elle a pas de projectile, elle a rien, donc après on va prendre Pain. Pain. Ouais, et on va prendre Pain.
Parce que, comme je vous l'avais dit, c'est bien de prendre ça. Kushina, tout est au corps à corps. Son jutsu est au corps à corps, tout est au corps à corps. Donc, c'est bien d'avoir des persos, un perso qui attaque quand même en même temps. Donc, Kimimaro. Pain, si le mec s'approche trop et j'arrive plus à gérer mon truc, qui, boum, temporise un peu le jeu et l'envoie derrière ou crame une barre de substitution de mon ennemi. Ce qui est très important. Surtout si vous avez des... comment dans une trailer super, je donne des conseils. Surtout si vous avez des persos lents comme Conan. Conan, ça reste lent, même si ça a été un peu buff, ça reste lent. Si par exemple, vous tapez en même moment un Sasuke ou un Naruto avec une Conan, même si vous tapez juste un petit peu avant, c'est Naruto ou Sasuke qui prend, en priorité... c'est lui qui gagne, c'est lui qui est plus rapide à taper, donc vous allez prendre un combo. Ça faut le savoir, c'est pour ça qu'il faut avoir toujours des bons soutiens avec vous. Pas des soutiens craqués, jouez pas les connards. Kimaro c'est plus craqué depuis longtemps, c'est pour ça que je le prends, mais avant je le prenais pas. J'ai tellement de supports qui sont sortis que c'est n'importe quoi. C'est parti. Casserole. Attends. Voilà, j'adore. Alors si je fais ulti à mon fils, non c'est à Minato. Si je fais ulti à Minato, elle lui donne une grosse baffe. Non, si ça a pas changé. Ah, mais là vous combattez. Et voilà, là, ça lui a fait cramer un truc. Il leur prend. Ulti zone, parce que les ulti zones sont géniales. Mec, c'est pas joué. On va arrêter de... Voilà. Il part un peu n'importe où, Naruto. Hein. C'est Naruto. Voilà. Je vais balancer mes deux boules. Un à foutre. Et c'est parti. Attention, plus de substitution, mon gars. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Ok, oh, tu vas te calmer, voilà. Comme je vous avais dit, Naruto, ça tape vite, hein. Je faisais que taper depuis tout à l'heure, hein, mais Naruto tape plus que moi. Ça sert à rien, ça. Allez, viens dans ma shop. Encore, j'ai été gentil, je pouvais comboter, mais comme je vois qu'il est pas très fut-fut, j'essaie de vous montrer les trucs. Et on relâche. Ah merde, je pensais que... D'accord, ok, on peut faire ça. Hop, la casserole qui est pas passée. Et on va quand même mettre une ultra. Hein. Ouah, le mec se transforme. Allez, carrément. Ce mec n'a pas de race. Ok, ok, ok. Allez, non. Non. Voilà. Oh, les dégâts. Ok, fuis. Ou attaque. Non, mais c'est débile. Voilà, je suis avec une casserole. Voilà. Quand, vous voyez, hein, c'est un jeu de fans, c'est un jeu de manga, hein, donc tout le monde peut gagner, hein, vous avez vu, hein. Comment mettre en PLS quelqu'un qui sait bien jouer, voilà. Et Naruto, c'est très fort, en QB. Oh, genre, voilà, une tape avant. Alors du coup, comme j'avais dit, on va... Eh, merde. Allez, viens dans l'ulti, tu veux pas venir dans l'ulti. Mais même avec ça, il a pas réussi à me tuer, hein, donc voilà. Tu peux pas non plus, montrer le jeu. Allez, tu te prends un casse. Allez, c'est pas prêt, casserole, bien joué. Moi, si je peux mettre en éveil, c'est moins puissant, mais je peux mettre en éveil. Je suis casserole méchante, quoi. Ouais. Oh putain, c'est. Ah, non, mais je connais pas son éveil parce que dans Storm 3, je jouais pas avec. Ah oui, c'est craqué aussi. Moi. Waouh. Ok, ça c'est d'accord, ok. Ninaï, Shinaï, no te banné. C'est trop bien. C'est quoi ce combo? Laisse-moi voir les combos à mes abonnés. Ah oui, d'accord. Allez, viens ici. Par contre, oui, on est en gris parce qu'on est plus faible. Après, vous... Ah, vous prenez deux fois plus quand vous êtes en gris parce que vous venez de vous transformer. C'est la fin de votre transformation. Eh ouais, mon gars, voilà, je veux juste faire ça pour te prouver que je suis plus fort que toi. Tiens, la casserole. Alors Kushina c'est très bien aussi, c'est très fort dans Storm Révolution parce que beaucoup de gens se faisaient la contre-attaque, toi t'as juste qu'à faire casserole. Ça marchait. Quand même j'ai envie de vous montrer l'ulti quoi, donc on va essayer que je craque l'ulti. Allez, craque l'ulti. Allez, même pas que je craque l'ulti. Hein. Pourquoi j'ai pas voulu faire l'ulti, hein. Là je me suis trompé. Ça arrive. Ah j'ai... Je pensais que j'ai... Non, tu m'auras pas comme ça. C'est un Storm 2, c'est puni. Hein. Une ulti piffée, c'est puni. Non, à chaque fois, j'ai dit un Storm 2, c'est puni, mais... Bon, on va arrêter de s'amuser. Bon, allez, c'est parti. Le mec veut pas qu'on monte, donc on va pas montrer. Oui, je m'amuse, hein. Là, je vous avoue, je vous m'amuse. Hein. Bon, ouais, on le tue. Allez, on le tue. On le tue. Mais... Ah putain c'est chiant, ça, alors ceux qui possèdent un Rasengan c'est chiant contre Dash parce que voilà ça fait énorme. De toute façon Rasengan c'est ceux qui font plus de dégâts que les autres. Comment ils se font
me substituer à ça, quoi, sérieux. Putain, j'ai pas substitué, j'ai substitué trop tard à ça. Ah, putain, je suis encore... j'ai pas l'habitude de... Allez, redash, c'est parti. Non, on peut plus tuer avec les kunai, hein. Ouais, regardez, on peut plus tuer avec les kunai. Merde! Faut absolument que j'ai pain. Faut que je tape au moins une fois. Kimimaro, Kimimaro. Kimimaro, mes amis. La casserole. Vous avez pas vu, mais j'ai fait grimper. J'ai fait ninjutsu. Voilà, mes amis. C'est ainsi que s'achève ce ultra ou super. La présentation du de Naruto Storm 4. Un jeu que je vous conseille sur Xbox One et sur PS4 et sur PC. Je vous le conseille. Et attention, il n'est pas sur 360 et PS3. Hein, c'est fini tout ça. Hein. Voilà, je vous le conseille absolument pour commencer à jouer. Voilà, un jeu de combat, quelque chose comme ça. C'est c'est un gage de confiance que je vous donne. Ayez confiance en moi, commencez par ce jeu, par les jeux de combat. Et si vous avez une Xbox One, ça me ferait un plaisir de vous prendre avec... Non, c'est dégueulasse. Ah, mon Dieu. Ça me ferait un plaisir de combattre contre vous. Vraiment un réel plaisir. Et n'hésitez pas, hein, prenez le micro, je prendrai le mien aussi. On parlera et je vous expliquerai comment bien jouer pour les débutants. Et les confirmés qui veulent venir un peu tâter mon niveau, c'est quand vous voulez, les gars. Allez, merci d'avoir suivi ce live, non pas ce live, hein, je me trompe souvent maintenant. Merci d'avoir suivi ce Super Ultra Skinny TV en antenne. Et bye tout le monde.